tous. Ce soir, le HCA affrontait Getseka au Voibeux et les Jaunes et Noirs allaient être sans pitié pour les Lionceaux. Encore une fois, la rencontre débutait bien pour les Jaunes et Noirs puisque Leonardo Führer ouvrait le score. Il était suivi peu de temps après par Kai Schweri. Anthony Verret inscrivait le troisième but, Elliot Antonietti le quatrième et encore Anthony Verret le cinquième. La pluie de buts continuait durant le deuxième tiers puisque Jonathan Eason marquait la sixième réussite, suivi peu de temps après par Jordan Howe. Les Zurichois trompaient quant à eux Elia Pope pour la première fois de la rencontre à 5 contre 3. Le troisième tiers commençait tranquillement mais voyait Nathan Marchand transformé à tir, offrant ainsi le 8 à 1. Philippe Michael DeVos concluait la soirée avec le 9e but pour les Jaunes et Noirs. Les meilleurs joueurs de la rencontre étaient Anthony Verret et Alain Villari. Bravo à Amélie Braillet qui remporte ce soir l'étoile du match. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Christian Suleski. Alors, est-ce que vous avez abordé ce match plus légèrement que celui contre Rapperswil ? Je pense pas plus légèrement, mais c'est clair qu'il y a une différence. On a vu dans le classement aussi, surtout, on savait que ça allait être un peu plus dur à prendre parce qu'il faut quand même rester concentré contre des équipes comme ça et puis il faut quand même donner ce qu'on peut, même s'il ne faut pas essayer de sous-estimer les équipes. Ce soir, vous vous êtes mis à l'abri très rapidement ? Ouais, on a vite marqué et puis on a pris une bonne avance après le premier tiers. C'était 5-0 et puis après justement c'était la difficulté de rester concentré et de garder cette avance. Comment vous allez aborder ces deux derniers matchs de championnat ? On va toujours essayer de gagner, c'est normal. On peut toujours essayer de ramasser le plus de points et puis ça va nous mettre en confiance pour les playoffs. Merci beaucoup. De rien. Quant à nous, on se retrouve pour le dernier match contre Chaux-de-Fonds. À bientôt, bye bye!